Ouvrir à pas pas pas. Voilà, maintenant on va falloir tout le monde se présenter. Ouais, c'est bon, ça marche. Mais oui, ça marche. Et moi, c'est Isno. En fait, on record le tournoi qu'on a l'habitude de faire tous les vendredis à l'association France Japon. Et c'est la première édition qu'on va recorder, donc voilà, on débute quoi. Voilà, un petit essai. On va commencer à faire les premiers matchs qui sont passés, donc le format, c'est élimination directe. Le round gagnant. Pas sélection random de perso. Hein. Mais non, sélection random de l'adversaire. Là, par exemple, on va faire Bémo, qui va jouer son guet, contre Mouvement et son Sagas. Non, non, il joue 7, ouais. Alors, matchup, je pense pas trop en train de regarder pour que. Ouais, je pense, ouais. Ça va être bien vénère, même. Arrêtez de parler là, mettez-vous sur la gueule. Trop de cartes. Training stage, les mecs. Je le mets dans la console. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu les membres des audios. Ça fait plaisir. Alors comme des mains, par contre, on a l'habitude de voir. Ok, on voit la couleur là. Ah oui, bah, c'est un d'ailleurs. Allez, on est en garde. Yes, voilà, c'est possible le fait. La main verte a évité de se dire. Il mise trop sur les types parce qu'il va faire des jolis roues là. Il va ouvrir la garde avec son iPad parce qu'il va être encore. Il cherche pas les points. Ah voilà, il y a un petit délit. Vous allez juste sur le coup avec l'iPad. Et là, il a loupé 3-6. Il y a complètement l'arrière partout. Ouais, gaffe, là. Je pas là. Oh là là, allez. Là, la sur les maths, ça va être une surprise. Élimination directe, donc il y avait un seul match de PMO pour le coup là qui est éliminé. Wiseman qui passe au second tour et comme le veut la coutume, on passe. Beno choisit les deux prochains players dans un petit sac avec le nom des joueurs, ça a l'air. Donc c'est chaud. Alors Shine, alors comment ça s'écrit, c'est les deux noms là? Comment on décrit ça?
Sunshine. C'est un joueur que je connais pas moi. C'est Faune Lotus. Faune Lotus. Faune Lotus. C'est parisien. Et player 2. Voilà. On va commencer à se cacher. Il faudrait juste que nous, du player 2 en fait. Faune Lotus. Non, alors du player 1. Shime, quelque chose comme ça. Comment t'écris ça? N-E L-E N comme Nathalie. Et tu joues quel personnage? T'es en player 1 ou player 2 là? Super, merci. Et qui est-ce qui a le casque du commentateur là? Non, Alors, qu'est-ce que c'est comme match? Chaque féminine, il est complètement pété. Alors là, c'est aspirateur. Ok, cool, il est tellement bon. Par contre, ça n'a absolument pas bougé. Steven Doris, comme lecteur. Je ne connais pas. Je ne sais pas du tout si c'est un lecteur. Mais ça sonne très Steven Seagal. Steven Spielberg ou. Et Doris, tu connais Doris toi? Oui, il y a un français aussi, Doris, je crois. Non, c'est Romain Duris. Ok, Romain Doris, quoi. C'est la prison, ça, Steven Seagal. Exactement. Est-ce que vous avez fait le check button? Tristan! D'accord.
Tu t'es mis en PR1 là, t'es à gauche. Ah, je devrais le faire. Voilà, on va avoir un tour de je crois. Tu sais quel personnage? Guile. D'accord, Guile Manga. Il joue le colonel, j'en peux pas d'âme. Non, juste le check button. Alors. Bon pas toi. Ouais, les hommes importants.
une autre édition de dernière minute. Le synonyme de Belgique qui joue. Qui va jouer Blanca. C'est le check button. C'est le check button. Alors, merci. Le match-up, je sais pas. Je pense que Cody Ryu, c'est assez équilibré, mais si tu sais manipuler ça. On a encore le match-up. La donation, pardon.
Il a cru gagner en fait. Il a cru gagner. Mais ouais, je pense qu'il a dû se poser parce qu'il avait pas d'ex. Il avait pas d'ex. Je pense qu'il a raté un petit peu. Il avait deux ex. C'est vraiment dommage. Ah, totalement avec un. Ce son serait non. Le son pour ex. C'est non, ça ne se pas du tout, je veux dire. Il aurait raté quoi. On n'a pas de. Ah oui, parce que. Ça tirait de. Vas-y, on va faire que. Je suis Cody. Alors, c'est le 7 et le 9. Alors, c'est rigolo parce que peut-être que je suis pas sûr que ce soit des gens qui jouent. On en tire un autre. Le E, c'est Genshiro. Genshiro. Attends, bah, combien de 7 on va. Genshiro contre. Le M. C'est Yves. Yves contre Genshiro. Yves. T'es inscrit sur le nom de Yves. Bah vas-y, à ton tour. Ah, mais c'est le rematch. Vous avez déjà joué l'un contre l'autre il y a quelques temps. Hein. Si vous vous souvenez bien, une série, il a pas changé. Non, justement, il a changé. Okay, il va nous mettre en Dan, je pense. Dan ? Ouais. Dan, un Dan du plaisir ou un Dan sérieux ? C'est un Dan du plaisir. Un Dan du plaisir, d'accord. Il jouait déjà un Ryu du plaisir, ouais, ouais. Mais non, il joue un Dan du plaisir. Genshiro, le joueur de Gauche Rage. J'ai jamais vu son esprit, bien sûr. Il fait un petit coucou à la caméra. Merci, Genshiro. C'est une évidence. Je pense que Dan n'a pas tant de chance. Après, j'avais une surprise. Ouais, c'est une arnaque. Et on sait tous bien que Dan fonctionne bien aux arnaques. Je sais pas. Je connais pas trop le perso. Quoi, Dan ? Mais il me plaît. Tu aurais tendance à taper. Bah figure-toi moi, mais ça fait un peu. Ah ouais. Et il y a vraiment des trucs sympas, ouais. Il a des bons combos, le problème c'est que c'est des just time et tout, assez difficile, ou des trucs qui passent en coup de tête. Donc c'est vrai que c'est pas le truc, c'est pas le perso que t'as envie de commencer. Ouais. C'est un peu difficile. Mais en fait, il y a des bons setups, des bonnes arnaques, des très bons combos, vraiment des affaires. Et du coup, qu'est-ce qui me place si bien dans la liste? Voilà, je peux savoir que t'as pas de blocking parfait, ouais. Et pour l'adversaire, c'est vraiment difficile. C'est Doudou qui a gagné. C'est très serré. Et Doudou a gagné. T'as fini de au lieu de mettre. Sans grande connaissance du jeu, mais avec le plaisir. Ah, Genshiro qui cherche carrément sa barbe super. Hein. Là, sérieusement. Hey, ça, c'est un target en l'air. Là, je pense qu'on va la rajouter. C'est Choro qui me rejoint du coup. Là. Ouais. On va faire son matériau. On va faire son matériau. C'est super, on va rater la garde. Je vais, ouais, il va y avoir un peu de sport, je crois.
Michel, il était là il y a deux jours. On est encore au premier bateau. Ton frère s'est inscrit à Street Fighter. Est-ce que tu sais où il joue? Eh ben, il va jouer son match. Attends, je reviens. Et viens nous voir, Dachiel. Viens nous voir. Tiens, deux minutes. On enregistre. Tu connais ce soir? Ouais, on fait du stream. Alors, du simili-stream, puisque on stream pas vraiment en direct, donc on enregistre. Tu vas jouer contre Michel. Quel est le pseudonyme de ton frère? Colrej, K-O-L. Il va jouer. Juste, j'attends de voir si je joue en player 1 ou player 2. Vas-y, c'est bon. K-O-L et Rage. Colrej. Ok, et Michel en face. Il joue quel personnage ton frère? Vous avez le temps de faire le check button, vous lancez trois fois, vous testez les boutons. Je reste avec Michel. Tu fais une partie pour rien, tu fais juste le speak aux joueurs. Bah, déjà, une nouvelle peste, du coup, aujourd'hui, c'est un joueur habituel, tout le temps. Des masses stick, du coup, c'est un vieux joueur de Street 2, en fait, de la DAS. À l'occasion, on va lui dire qu'on fait des tournois de vie. Ouais, bah après, lui, il est plus accessoirement sur moi. D'accord. Et il vient d'où sinon? Pour le Quimper. Ah, Quimper, ok. Je pense que c'est pas le joueur aussi, un Quimper, parce qu'il y a les gars de Paris Trouveau qui représentent la Bretagne. Ouais, voilà. Vraiment un autre gars? Ouais, il y a un saga, quoi. C'est le parti des HL, du coup. Ouais, il y a peut-être pas un tour de ski quelques mois. Tu vas voir, c'est un old school Street Fighter. C'est le old saga, toi. Ouais, c'est le old saga, on en parlait tout à l'heure. Le saga qui est changé. Et en fait, Michel, du coup, de mémoire, lui, il joue plus à Coff. Mais il fait les tournois Street Fighter avec nous aussi. Hop, on va passer. Ok. On peut nous aider à peu près. En termes de mots sur Sagat, Sagat, le but c'est d'avoir un parfait de plus par rapport à lui. Parce que on est pas trop du chercheur. J'ai la peine de voir par exemple sur un jeu de l'on se fait ou pas. Donc regarde le petit quoi. Oh, la c'est bon pour avoir mon petit. Attends, c'est qu'il est des cons là. Ça c'est nous HK, c'est un c'est ça sera pas trop tenté de vous là. C'est un des défauts des joueurs de Street 2, il n'y avait pas le dash. Il n'y a pas le dash, il n'y a pas les carabins. Il n'y a pas le carage qui est intéressant. Oh oui, il a carrément fait un fake kick. Mais est-ce que ça passe? Ah mais il n'y avait pas les conseils dans deux extrêmes. Ah merci. Parce qu'il veut. Ah il a ça qui est un pas le temps. Sinon,
Oh là là, le 3 qui marche pas.
Oh là là, oh là, bon, ça marche pas encore. Du coup, il revient à des combos plus basiques sur les Vampire Rolling parce que là, ça marchait pas de faire les Scarlet. Là, sur les Scarlet. Je pense qu'il a plus de mal à lancer ses combos là. Il a pas fait les Scarlet. Voilà, là, il s'est chopé. Tranquille, une seule fois, non. Comme ça. Il y a le type pro qui passe finalement entre un 6 max, par la barre, mon dieu. Oh non non, le titre trop dur. Allez, c'est chaud là, il y a pas de Il y a pas de oh là là, Gif, ça va pas passer. Oh dommage, c'est. Donc un Gif qui n'est pas de la banane, on va dire, c'est notre Gif, c'est un bon rigolo. Ouais, ça va, les tirs. Dommage, c'est le type qui a choisi le 3-2. Ce qui est dans mon choix, je pense, contre la Gif, parce que ce moment-là, c'est terroriste. Voilà, ça fait ça, se regarde, ça charge la barre. Il a juste besoin de se chauffer, je pense, la gagne. Parce que pour avoir passé ses combos, là. Parce que c'est plus qu'à l'intérieur, c'est bon. Il met la pression, là, on a la droite 4 hits. Il a Gaspard Dash qui le sort un petit peu, il se rapproche, on a de la vapeur là. Elle a pas inverté à 0. Ouais, bien joué ici. Voilà, ça y est, on voit le Cosmic Kick, c'est pareil. Sort overhead. S'il a un type trop droit, 2, plus faible, ouais, c'est bon. Il aurait préféré ça utiliser le truc. Voilà, là, c'est pas le frein. Non, ça doit être une flip, un chip, une chop, ou un truc, comme ça, on commence tout simplement. On va partir là. Voilà, ah, il a mis... Oh là là, ce combo. Là, il a posé la main verte et le 3-6 pour rattraper. Ça a été compliqué là, setup. Oh là là, moi j'aurais été dégueulasse. Hein. Ouais, oh là là, ça touche. Tir, ouais. Non, même pas en tir. Il va tellement vite, ouais. Le gros point, en fait, il a mis les yeux, il fait plus loin qu'il est. Ça y est, il arrive. Oh, il a gardé. Oh là là, très bien joué. Est-ce que ça tue? Ça tue, oui. Très bien joué. Bien joué, bien joué. Oh, c'est tendu là. Je reste un round et oui, ma justice complète. Et oui, la justice, une victoire, une sortie, c'est comme ça que ça marche. Tiens, c'est pas ce que je voulais, moi j'avais pas de... Deux Tortues Ninja, avec Free Track, qui faisait des charges en première partie, Gap qui a fait en Free, c'est partout. Et on retourne à l'âge. C'est avec le Gap, expert en Gap. Ouais, enfin en pile de Gap, on peut la recharger. Oh, la expert, mais qui pensait qu'on s'est utilisé. Allez, le... C'est un pour attaquer. Oh là, il saute encore, ils sont... Oh là là, il a pas trop peur, hein, quand même, d'accord. Pas trop du coup, en fait, il est fait bien, il s'en fait bien. Oh là là, main vert, oh le faible, parce qu'il a fait, main vert pour accrocher. Deuxième main vert, oh là là, il a porté un peu, il est passé, il a fait un âge. Ah, il a va, il sait ce qu'on fait les points. C'est un bizarre dans la poste de l'eau, il a MP pour empêcher de partir. Titiano, voilà, ça rattrape, oh là là, il est tel. Oh là là, la vache, ah, ça pipe. Ça touche pas. Voilà, là, bien joué, bien joué, bien joué. Une sorte d'Akai. Ça nous a une grande surprise du truc là. Ouais, je sais. Ouais, sortie de Dakai du tournoi, ouais, assez inattendu. Bah oui, parce que ça rattrape, mais tu peux pas en exception select, mais je sais pas s'il le faisait. En tout cas, c'était. Non, il y avait pas de S, mais c'était très très bien ciblé. Mais en même temps, la grippe a tellement peur de prendre les 3-6 que. Dakai! Ouais. S'il te plaît, tu peux me tirer deux lettres. Et oui, si ça serait au random complet, on tire des lettres des gens, et puis comme ça, c'est qu'on fabrique des matchs dégueulasses. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est l'injustice. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Vas-y, deux lettres, s'il te plaît. Je sais pas combien. C'est quoi le chiffre? 4. Alors 4 on est bon, 6 par contre il n'y a pas besoin. On va tirer sur une autre. Bah du coup pas de 6. Il n'y a pas là. Il n'y a pas de 6 encore. Gabou, c'est à ton tour mec. Hein, bah, c'est... Attends, alors c'est qui a gagné là? Attends, c'est quoi ça? Je sais pas comment il fait Choubo. Choubo il est où? Attends, non mais. Vas-y, du coup là on a. Gabou contre Benji! Non, en fait, Benji c'est. Bah, de l'autre côté. Il y a une peu prendre le relais, mais trouvez-moi Shugo aussi s'il vous plaît. Shugo! Il était de l'autre côté, trouvez-moi Shugo s'il vous plaît. Ouais, Benji et Shugo s'il vous plaît. Il est où Shugo là? Shugo il a racheté. Il a racheté? Non, mais il a attendu. Isno? Ok. Je sais pas comment il fait ses triches ou quoi. Alors on a Benji qui est en train de se mettre à gauche. Bah vas-y mec, il est là quand je vais me faire ça. Ah il est mêlable, d'accord. Attends, ça va être quoi? C'est quoi le match là? Alors c'était Dakai contre Dakai contre 4UKen. Magnifique, on est bien, on est très très bien. Oui, sur les gars, c'est plutôt du charisme quand même. Je sais pas de manette. Bah, t'es disqualifié, mec. Pas de manette, pas de chocolat. Pas de manette, pas de spectateur, quoi. Je veux dire, tu peux pas tester.
Je vais la caméra. Ah non, je ne sais pas ça. En fait, comment on fait pour switcher en fait, Ah oui, d'accord. Ok, alors, donc Gabou à gauche, joueur de Sagat, qui en a rien à battre des zombies, il te met des patates et c'est tout. Non, non, mais faut vraiment passer dans ce qui passe. C'est Sagat de Long Vista, de Next Tiger, qui en garde. C'est ça. Du coup, là, ça check les boutons. Alors, on vous le montre pas parce que c'est d'une propreté faisant pas lire Monsieur Propre, franchement. C'est qui J1 J1, un player 1, c'est. Alors à gauche, c'est. Des Gabou à gauche. Gabou, J1 VO. Voilà. Et à droite, c'est Benji, Ben et la lettre G. Ah, c'est bien, je découvre le jeu. Alors les mecs, un peu de sérieux, on ne tourne pas. On ne croit tous. On ne croit pas. Non. Bah, Gabou, c'est une instant déjà, il va tout. Bah, c'est une instant, il va tout. Bon, allez, c'est bon. Tout là, tu peux passer en in-game. In-game player. D'accord, ok, je comprends comment ça. Allez, c'est parti là. Ah non, c'est, bah, c'est ma mère, ça. Vous êtes sérieux? Ah merde. Attends, on va rechercher encore une vidéo. Ça, c'est ah ouais, on va changer ça. Avec Gabou, c'est Sagat, c'est pas. Ça joue Ibuki là. Ça joue complètement Ibuki. Ça vaut quoi contre Sagat à ton avis? Ibuki est pas mal contre Sagat parce que tiens, faut mettre le loop avec les trucs là. Ça peut faire la fille hein. Bon, après faut s'appeler Sabo, mais voilà. Ouais, d'accord. On peut le faire 2-3 fois sans Sagat. D'accord, c'est bon, je pense Gab. Alors les Tiger Shot Tease Love, allez. Voilà, c'est parti, la chope. Le 7, oh là là, carte devant. Ah là là, oh là là, la focus qui était mal senti là pour s'enfuir. Et là, il faut se taper dans le Tiger dans la gare qui est finalement plus chère. Long Viscard qui se fait tout de suite ranger par le. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, le coup. Deck Breaker, voilà. Ah, le pit de dragon qui marche pas là-bas. Oh, le coup, c'est bon. Je sais pas. La focus est normal. Tiger Shot. Bien senti. Ah, c'est dur là. Oh là là, ça gâte. Alors pour info, Gabou est ancien des prétendants dans le Garden. Qui a fait un parcours, on va pas aborder le sujet. Voilà, alors. Oh, mais là, je me dis qu'il c'était beaucoup. À cause de sa dragonique, là. Ouais, mais non, je vois, Benji, un joueur qui est très récemment, qui progresse à chaque tournoi, et on pense que c'est plaisir à voir. Tu peux tenir ta tour. Si, si, je peux venir à des vainqueurs qui passent pas en dessous les Tiger Shot, là. Bah, il y a le dragon qui prend des combos, un petit combo pour mettre des points. On s'agarde, ça d'après une 10 en caisse, Tiger Shot. Oh là là, la chope, comment choper. On s'est gardé les oh la chère Siro qui était tellement bien. Oh la l'Oglava qui est bien sorti. Oh là là. Le Tiger Me parce qu'on s'en fout. La cab, P, dragon. Voilà, ça rentre. C'est qui voilà. Mais dragon s'en fout. C'est la bouche. Ah là là. Voilà. Passe pas. Et ça gâte. Mais intermédiaire. Ah la Gabou qui se réveille. Elle s'est dit merde, je peux perdre. Peut-être que je vais décider d'ouvrir les deux yeux. Bagdash en Jusca. Voilà, Bagdash en Jusca. Et voilà! Voilà! Tiger, voilà! Voilà, c'est Quaker dans le Tiger! Le Sagat qui empêche oh, le Tiger qui passe au-dessus! Un shop est ciblé par les petits sans faire un petit peu! Garde gentiment, les Tigers qui vont dans la gare, ça se regarde! Tiger qui, Tiger qui pour accrocher! Ah oui, pour continuer! Tu as si pour Tortue Ninja. Ouais, Tortue Ninja, c'est le jeu d'avenir. Les Tiger Me qui sont complétés par le dragon d'Overhead, des bagues d'Haché, donc ça ne bouge pas. Allez, remets au kilo. Pile de l'ultra, mais complètement dans la garde. Allez, dragon. Voilà, MK Dragon. Bah, c'est complètement dur pour les Ibuki là. C'est Gabou qui a pas intention de se laisser faire. Oh là là, c'est dommage. Les Tiger Me qui fait tellement mal sur les Ibuki. Ah là là. Et voilà, une victoire de Sagat. Ah, quelqu'un appuie sur le bouton expose, s'il vous plaît. Remettez-moi ça, s'il vous plaît. Victoire de Gabou. Bah, Benji vient jouer quand même, ça fait plaisir. Pour ma défense, je tiens à dire que j'ai mal. Pour ta défense, t'es. Purée, mais virez-moi ce 6. Tiens, un. Non, il faut deux lettres, deux. Hicham et Q, c'était qui le match Q, c'était qui son. C'était qui a gagné entre Hicham et Sagat. Q6. Non, mais il faut pas le 6. Un autre. Kano. Kano. Contre 8. Un autre, il y a que des chiffres, il y a mis tous les chiffres. 7. Ah, mais bah non, mais c'est bien vu.
Ah, il y a un match de repêchage alors. Alors attends, ouais, genre, moi j'ai pas joué par exemple. Bah, ils ont mis, bah, il y a Pinette là. Bah, il a foutu quoi, je suis c'est pas Cano, hein, c'est Isno. Ah, c'est Isno le B, d'accord, bah, il est là, Isno contre. Genre, toi, tu y a un B et tu le fais pas jouer quoi. Bah, non, je vois, mais ouais, je vois Cano, j'ai dit, bah, j'ai la perte. Alors attends, et du coup, t'avais tiré qui? Ah, mais il en manque un quand même. Romain, qu'est-ce que tout le monde a joué là-dedans? Bah, je sais pas, non, Romain, on peut jouer. Et où Romain, on a peut-être un score. D. Voilà, ça sur la banane. Il n'y a pas de D. Ok, il est pas derrière. En tout cas, c'est qui a gagné là? C'est Gabs. Bon, bah c'est Isno contre Romeo a priori de toute façon, moi je suis complètement pour ce match parce qu'un des deux sort, je suis un gros connard, j'aime pas la victoire. Il n'y a pas de dé. Bon, on va mettre une autre, on va mettre le bah, on va mettre le 7 pour Romeo. On va mettre le 7 pour Romeo du coup. Y'a Isno. Je change, moi je mets le 7 pour Romeo, qu'est-ce que Romeo. Ah, je prie, j'ai de l'air. Getchur, je pense que c'est bon. Hein. C'est bon, je pense. Bon, Pierre, Aïzon, on en appelle, est-ce que tout le monde a joué? C'est bon. Hein. C'est comme ça. Hein. De toute façon, je pense que tout le monde a joué, ça fait un moment. Hein. Mais Roméo, il est où là? Il est là-bas. Oh là là, l'homme en noir arrive. Oh là là. Alors, Rose, pour information, Roméo n'est pas nécessairement le joueur de Street Fighter. Son jeu de prédiction, c'est King of Fighters. Alors, Genesse, tiens, Roméo, c'est la première. Ouais, Genesse, c'est ça. Qui, lui, par contre, Goff, il est complètement là. Mais il a une rose qui est quand même pas dégueulasse. Et moi, je valide complètement ce choix. Isno, t'es de quel côté? Isno. B2. Ok. Pardon. Moi je fais juste sur les player 1 et player 2, je change de noir. Ce qu'il m'a montré de faire, C'est vrai. C'est pas ça qu'on fait? Bah tant pis, on fera comme ça pour l'instant, on va apprendre. Et Genèse. Il y a un accent à Genèse? Non. Pour le premier. Eh, il n'y a pas? Non, je vais pas. Vas-y, répète le mot s'il te plaît. Sans accent nulle part. Ok. Ok, on va repasser sur. On repasse sur les gens un petit peu. Alors on est bon, alors oui, pour information. Information, oui, j'ai oublié le R. La formation Isno est donc un des joueurs prétendus du Land Garden qui a fini ce match. Il en est à 5 victoires, 2 défaites. Il y a Zeraiki qui est devant aussi, au gagnant de l'Épo Bordelais. Ouais, un vrai bonhomme, quoi, avec un kick qui a très très bien tapé, mais bah, Rose Genèse est vraiment solide. Ah, une Rose très très performante. Très solide. Quel setup du backdash, comme toutes les roses. Allez, on va commencer gentiment là. Allez, un petit pitch me. Ah, il attaque direct, il n'a pas le temps. Voilà. Ouais, on est un tout petit peu impressionné. C'est ça. On a un petit score de son. Là, dragon, un dragon. Un qui passe au-dessus de la glissade. Voilà, ça se fait un peu, ça fait des prendre des petits. Voilà. Sur spirale, il a passé, il a forcément, il a pu sortir le setup, mais dans le bagage, il touche pas. Faites en sorte qu'il peut faire un setup en sortant verticalement et reprendre. Et bah, c'est le meilleur setup parce que Rose Rose n'a absolument aucun reversal. Le BMP de Rose qui bloque tout le monde dans la tête d'attaque. Elle a le coup qui casse tête, autre chose, voilà le combo. Setup, voilà, ça va dans la gare, mais il est quand même. Encore. Oh là là, l'option c'est là avec Zeraiki qui mange. Il y a une bulle favorite, mais je pense que si ça tapait, ça touche. Et lui, voilà. Là, il va pouvoir. Oh là là, il crame, ça y est, Gauchy, il est content avec Gauchy. Et Roméo qui est là, donc c'est avec Gauchy, il faut pas avoir peur. Oh là là, la crache, dommage. Roméo avec un premier qui prend quelque chose, c'est vraiment dommage. C'est pas passé. Roméo, il est là, allez, c'est reparti. Papier, là. Allez, un petit c'est le HK, c'est le HK là. Lick le coup qui passe au-dessus de la boule et qui touche, mais ça confirme pas. Oh la super, là, super là. Là. Il faut les épaules HK. Ouais, c'est le point. Voilà, Soso qui va trop s'enfuir. Voilà, la qui s'attire à frappe, le coup de chine, il faut pas passer les deux mains dans le corner. Ah, ça compte. Ah, c'est le point. Quand toi il n'y a pas de bar, oh là là, ça l'a fait. Oh là là, le bon. Bien joué à Roméo quand même, mais c'est vrai que là ça devient très commencé. Et on va entamer maintenant les phases du deuxième tour.
Oui, nous avons tout. Comment c'est vrai que je vais jouer? Non. Ah, ok, deuxième tour. Ah, Benji, ça va bien. Ah oui, ça marchait aussi, mais ça devrait changer juste sur la scène du coup. Alors, ça donne quoi? Ça va donner JB contre Wiseman. Non, tu gagneras du tout. Bah là, non, tu gagneras du tout. C'est juste JB, il sort. Hein. Non, bah, on verra si on est fait ou à faire. Alors, hop, une autre lettre, allez au pif. K. MMK contre Wiseman. MMK! C'est contre Wiseman. Ok, MMK donc, qui est un joueur en fait de 2x initialement qui a une très bonne verbe pour les gens. Et en face, nous avons Wiseman qui sur Street 4, il joue Makoto. Parce qu'en fait, il joue même Makoto sur 3.3, donc c'est son meilleur point de repère. Malheureusement, Makoto ne se joue absolument pas comme ça en 3.3. Et Wiseman, donc, qui est l'homme nantais à part les doigts en or. Il va les kidrop les combos tous les vendredis soir. C'est le king des Moudantais, voilà. C'est ça, votre regarder chez qui. C'est ça. Non, mais on verra. Attends, pour de la petite anecdote, c'est un mec qui quand même rentre sans problème. Les paris, les 20 moments de Daigo sur 3.3 online, il le rentre comme il veut. Donc il y a quand même de l'or dans les doigts, ce garçon. Ouais, c'est bien, on parle de ton frère. Et donc. Il fait pas. Ah, je crois que c'était lui qui le faisait. C'est moi. Ah ouais, c'est toi le beau gosse en fait. Peut-être pas, bah, moi sur Strike j'ai parlé. C'est ça, chaque fois, c'est les boutons là les gars. Ah, ça joue! Ok. Attends, on va laisser le game. Les mecs, ils laissent même pas le temps de mettre les pseudo. Ouais, ça devrait aller, je pense. Et même temps. 7 en rose, hein, ça charge la merde déjà. Déjà, ça n'a pas de respect. Voilà. Non, Gold Jump rien, pas 3-6 sujets. Il a été à 10 qui a mis la place, elle est de 17 à 3 par dessus. Qui est 2-8 avec le coup de mort. Il est en 2-8, il ne fait pas de choc. Elle est la Delphine, voilà. Oh, il doit faire ça. Là, ça veut dire. Oh, mais les tiens, il est là. Etienne, vous aurez vu son visage, mais il est complètement surpris de sa performance. Oui, il ne comprend pas ce qui se passe. Même lui, il ne comprend pas. Là, c'est niveau, voilà. Voilà, le pied. Ça déchoppe.
Voilà, et tu as vu que c'est pas pareil. Oh là là, c'est un TP. Agathe Ajax, il est complètement. Ah là, ouais, ça va être très dur. Oh là là, c'était compliqué, ouais. C'était très compliqué. La performance de la Makoto, elle a imposé la base. Ça y est, ça se plaint. Est-ce qu'il y a ça? Allez, vas-y, s'il te plaît. Etienne? Ah, c'est à moi d'y aller. Un deuxième, s'il te plaît. C'est à moi de y aller. C'est à moi de y aller. Oh, allez, allez, c'est parti. Je rescute le micro. Tiens, je suis pas couché, quoi. Hein? Non, mais il va venir. Il va le reprendre, s'il te plaît. Ouais, ouais, c'est parti, mec, c'est parti. Je suis tiens, je vais te le mais je veux, il me semble qu'il joue aujourd'hui. Abel, joue Abel, c'est vrai. C'est toi qui joue Abel. Pas d'alors, t'as c'est lui qui a fait le bon match avec Abel dans le talent. Ouais, ouais, c'est lui. Je sais pas si c'est beau, mais. Eh mais Abel versus Rinus, c'est le match d'anthologie qui avait tout le temps Street Fighter Vanilla, non? Ah oui, Sagat, c'est vrai qu'on voyait son. C'était les dragons qui n'avaient pas besoin d'un Vanilla. Pour ceux qui se demandent, j'ai complètement piffé mon dragon medium au milieu parce que je pensais que ça allait chercher une barre d'action. Bah oui, mais le bip, voilà, c'est la base. Je veux dire, sinon je gagne pas, moi, si j'ai pas de chance. Hein. C'est comme ça que ça marche. Alors, ça donne quoi? Merde, comment on fait pour revenir là? Ah, d'accord. Non, parce que je connais pas bien Windows 8. Alors là, c'est quoi le match?
C'est Gabou ou qui? Alors Gabou et... Alors attends. Moi j'étais... Alors attends. Ouais, pas de soucis. Alors là ça va venir... Non mais là c'est check bouton pour l'instant, on va pas se paniquer. Non, c'est 5-5. C'est quoi dans 5-5? C'est chaud. Ah ouais. C'est chaud. 5-5, c'est chaud. Parce que t'es nul. Écris ça comment? K-I-2-L-U-A-P-O. Ok. De toute façon, ça check les boutons là. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ah bah non, je vais dans le mauvais sens, c'est de la merde. Ah non, qui... Ah oui, si, c'est bon. Bah, je sais pas pourquoi j'ai. Pourquoi t'as mis Gadou? Ah, j'ai mis Gadou. Ah oui, parce que j'ai pas parti de Doudou en fait. C'est Gad de la campagne. Ah, les gars, par contre, sur les. Oh, c'est pas grave. Ah, donc, alors, Gabou qui est le joueur de Sagat. On se trompe pas, mais il est à droite sur les joueurs. C'est le mec qu'on peut voir. Ça teste un peu, ça fait une test de topo, toi, Ryu. Alors, qui lui apprend qu'il y a un nouveau joueur qui est arrivé aujourd'hui? Donc, quand même, passer le premier tour pour le reconnaître. Donc, je ne me rappelle pas, dans les temps, je crois qu'il avait joué contre. Non, parlez de. T'es pas le fan de l'histoire, toi, mais c'est pas fait. Non. Allez, c'est parti là. On rigole pas. On n'est pas là pour courir. Ah, une poignée de main. C'est bien. J'aime ça. Très vite, tête parce que ça lag. Voilà. Alors, on va voir les distances. On va se faire. Un joueur de mon âge. Si il est impeccable, faut pas se dire. C'est le confort qui prime. En l'occurrence, là, il est bien avec sa manette. Bon, ça laisse l'intro. Ça laisse l'intro. Ça met la pression. Comment il arrive à faire les. Dragon direct, on s'en fout. Il y a aucun combo là. Et ça tombe. Dragon X pour finir. Monsieur sponsorisé par Monsieur Propre. Saga, Monsieur Propre d'Orgue. Bon, voilà, ça a été fait pour le mettre en place. Voilà, bien maîtrisé le match contre Saga. Iscar, Tiger Shot, Il n'y a pas de combo simple. Victoire de Gabou, mais le crat, dégueulasse. Bon, on marche pas. Bah, merci, la manette, tu l'as pas. Tu l'as pas première. Tu veux tirer juste de l'aide. Gabou, impérial sur cette manche. Qui l'a? Tu peux tirer de l'aide, s'il te plaît. Tu as le prochain match. Ça nous donne Genshio contre Alors là, on va passer. Donc là, on a Genshiro, alors à gauche, on ne voit pas pour le moment. Tiens, qui est joué en manette et qui est un très très gros gain. Raj, d'ailleurs, Rage Genshiro, la team Rage qui est posée. A priori, Genshiro, tu peux te rapprocher un peu plus à droite, s'il te plaît, pour qu'on te voit quand même. Parce que Prickroy monopolise l'écran avec son charisme. Trop de charisme. Trop de charisme, c'est ça. Alors, vous faites les boutons là. Allez, Genshiro.
Alors, Genshiro, sur le top des games, je connais des balèzes. Ah, ça check les boutons là, on s'en fiche. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'on est bien? Non, on n'est pas bien. Kenshiro, ah, c'est qui gagne là? Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, je vois pas très bien à chaque fois. C'est bon les boutons les gars? On est parti, on est bien là, on est mieux qu'on a été. Allez, c'est parti là. Donc, Genshiro qui joue Gen, comme on disait à l'instant, un très très gros Gen, contre Picroy, une Makoto, qui nous fait voir des belles choses, qui a tendance à dropper à cause du stress, mais on va voir ce qu'il nous réserve pour cette fois. Moi personnellement, je suis complètement pour Makoto parce que le charisme de la jeune fille. C'est quand même moche. Ah là là, je te remercie ça. Picroy qui est là. Ah, c'est difficile contre Genshiro, il connaît très bien Gen. Le Gen de sa tête. Alors, on va bien s'en arriver à la fin. Gros joueur de boxeur, toujours de belles choses. Alors, boxeur Guy, qu'est-ce que tu dirais? Moi, bah, je dirais Guy, parce qu'en fait, la descente de coude défonce complètement le bas gros poids de boxeur. Et en fait, à la relevé, le arrière MK, le bas MK de Guy, fait 2 hits et bloque toutes les solutions de boxeur. Des dash tracks morts, parce qu'il met 2 hits, c'est absolument. C'est vraiment difficile à gérer pour. Pour boxeur smash. Après, Anta, c'est pas le boxeur qui campe, c'est le boxeur qui agresse. Et qui agresse. Et du coup, ça peut changer la donne. Ils n'ont pas l'habitude nécessairement de jouer contre des boxeurs agressifs. C'est plutôt un personnage où on voit de la camp. Donc bon. Pour l'instant, je suis sceptique, mais je dirais quand même pour Pour qui ou pour le boxeur? Apparemment, c'est boxeur. Après, d'après un site très connu. C'est ça. Elfogero! Thomas? T'es à droite là? Ok, donc on est bon sur les premiers. Ah, ils échangent? Ah, ben non! Ah, oui, vous changez. Attends, on va plus voir. Ah oui d'accord, bon Ino est en bas à droite de votre écran, le chat. Anta, rapproche-toi de vers droite. Bien. Prenez-vous. Voilà, comme ça. Allez, un petit. Non, remettez-vous un peu plus par là. Un peu plus vers moi. Ah, parce que les Ino avec son diarisme, voilà c'est bien. Allez. Ino avec son t-shirt noir motopolis de charisme. Non, c'est un t-shirt, j'ai décidé. C'est décidé, c'est pas un t-shirt. Je décide de cette offre de t-shirt. Bon, allez, les trucs au niveau des ultras, qu'est-ce que ça donne? Bonne poignée de main là, solennelle. Le temple, stage 10 no. C'est son stage, hein, c'est son stage.
Voilà, tout le monde a un stage, voilà, allez, c'est parti. Pour ma part, c'est l'overpass, hein. Mais bon, allez, c'est parti, ils sont avec Ultra 2 contre 3-1 de boxeur. Bon, je sais qu'on doit faire venir certains dash avec la chaîne, mais bon, c'est bon. Il a plutôt tendance à faire des combos au cancel et arrive. Voilà, c'est parti, allez, on t'inquiète, il va pas prendre de sursex, c'est compliqué. C'est pas safe ça, on le verrait complètement dans le vent. Oh là là, C'est dur, c'est complètement chaud, on tape le fer. Petit Patrick se met la pression, voilà, même quel petit bloc avec ça, ça pousse bien, voilà, par la charge qu'il y a de l'eau, on ne pas, il est coupé un peu trop, il est coupé, voilà, oh là là, les coups, oh, le combo qui m'a raté, Oh l'overhead, et le no escape qui met un terme à ça parce qu'on t'a, il s'en bat les couilles. Ah, alors il y a excuse de sac 53. Ah, bon bah il y a rage, il y a excuse de sac numéro 53 de Isno, c'était Ultra. Non mais c'est juste qu'il a fait, il est dans la garde. Il a chargé un bien choc. Voilà, sauf pour cette année, voilà, il s'en fout en bas, c'est trop pas triste. Il y a un ex, on a rouge qui se prend l'MK, mais il y a un rouge qui est puissant. Ah, le MK peut vraiment se caper contre le mec qui est poussé. On va le rencontrer dans la garde, avec la chance en on continue avec les MK, avec le mec qui est poussé, ça l'attaque. Ça se prend un petit peu, mais ils ont l'empêche de sortir, alors qu'on peut se tourner encore. Tourne à rond d'exclive, la focus, le verra qui passe pas, il faut que l'on s'en fasse. Oh, le chien. Ah, ça marche pas, il a rendu combo, eh oui. On attache un premier overhead, on a de noise game. Ah bah non, il a droppé. Bon, est-ce que ça tue? Ça tue pas. Ah, est-ce que ça va gratter? Est-ce qu'il va plus massif? Très vite, on est une bonne. Oh voilà! Il fait le raid! Il fait le raid! Ça tuera pas, je pense. Mais ça va. Ça met complètement les gars. Oh là là! C'était bien vu. Bien dash dans le set qui encaisse Suzex. Le ex qui permet d'encaisser un coup et qui donne. Deux coups ça encaisse. Ah mais là Tomo au deuxième coup je pense ça encaisse deux coups. Victoire de Isno, très belle victoire. C'était chaud quand même. Ah, Antoine s'est pas laissé faire mais il s'est quand même confronté. Alors on aura le droit à Blanc Capoeira contre Floriken. Floriken qui est le Zangief de tout à l'heure qui nous a vendu du rêve par cargaison, j'ai envie de dire. Et on a maintenant de l'autre côté Blanc Capoeira qui est en fait bah, comme son pseudo l'indique. Il est là. Non, il a gagné. Pas derrière,
Alors, Floor You Ken, moi j'adore ce pseudo, je sais pas pour vous, mais moi je suis complètement fan. Parce que le pseudo, il y a Ryu Ken déjà dedans, ça annonce plein de choses, et en plus, on a de l'autre côté. On a un mec qui joue plus en game, quoi, je veux dire. Hop là. On est bon là. On est bon. Est-ce que je suis bien là? Est-ce qu'on est bon? Voilà, voilà. Est-ce que je me suis frotté? Est-ce que je suis intouchable? On est bien, on est bien. Allez, Blanca contre Zangief, c'est un match très dur pour les trois. C'est un match compliqué pour Zangief, mais il nous a montré tout à l'heure qu'il pouvait avoir des ressources cachées contre un match difficile pour lui. Dégueulasse, on sent bien que le coup ça change la barre avec le la glissade de singe qui ne marche pas. Oh la crap, voilà, on va aussi tirer avec Blanquette, la pas venir. Voilà, elle est en train de la roulade qui va dans la garde. L'arrière, si on gros là, là, ce Zangief sont impétables. Il se fait un petit peu, il t'en passe. Bon, il arrive à sauter sur Blanquette. Voilà, la conduite est branchée par la roue. Zangief qui est complètement là contre ce Blanca. Voilà, si le match est compliqué, mais Zangief ne le fallait. Voilà, la voilà, le 3-6. Il touche, mais il touche quand même. Un 3-6 peut en cacher un. Oh là, ça y est, c'est invulnérable parce que ça touche. Ça touche quand même, malgré la vulnérabilité de l'ex invert. Il a cassé, ça ne le fait pas. Il y a de la rattrape pas, c'est chaud, le sous MK qui touche. Il y a tellement la gros chat. Oh, on sent la grosse chat. Oh, ce Gief! Ce Gief! Je te remercie dans les vendeurs! Ah là là, Florian Gief! C'est un spectacle ce soir, première venue! Passe le deuxième tour! Yes! C'est bon! Et des match-up dégueulasses pour lui en plus! Après le deuxième! Il reste en match! Il reste en match! Ok, alors on a Shugo. Shugo, il va être le joueur de gauche. C'est pas ton pseudo du coup, ouais. Je valide complètement ce pseudo. Moi aussi. Shugo qui est repêché par la règle du tournoi de la justice qui stipule que si nous sommes un tour impair, eh bien nous repêchons un des perdants. La règle est dégueulasse. Faune Lotus qui nous vient de loin. Première venue, il est venu, invité par Dakai. C'est un joueur qu'on ne connaît pas bien, mais qui joue très vite. Donc là, pour l'instant, c'est le check du bouton. Est-ce qu'on est bon? Déjà, c'est simple de dire.
c'est un joueur parisien. C'est ça. Tiens, Choubo, tu peux te décaler un petit peu, s'il te plaît, on te voit pas. Alors, est-ce qu'on est bien là, Choubo, c'est Zangief là? Non, mais il est parfait. D'ailleurs, ils sont en même, je pense. Ah, ouais, exact. Bon, ben, je suis pas bon là. Et il a été repêché, je crois. Il a été repêché à l'instant, tout à fait. Et oui, j'ai cliqué la règle à l'instant, justement, du repêchage. Tout le monde comprend que c'est vraiment dégueulasse. C'est injuste, tournoi d'injustice, on connaît bien. Ce qui est encore plus injuste, c'est que quand quelqu'un a repêché, gagne le tournoi. C'est arrivé, oui. C'est arrivé à Baki. Ah, ouais, il a eu la chance d'être repêché et de gagner le tournoi. Ouais, mais bon, c'est dans les derniers tours, donc il y avait de grandes chances d'être repêché. Ah oui, ouais, effectivement, parce qu'en fait, en demi-finale, si on est 3, on peut faire une demi-finale PSB. Et comme il reste que ce soir, il y a une repêche pour faire une demi-finale. En fait, il y a un mec qui joue deux fois. Alors, nécessairement, donc, Choubo, Abel, toujours, et Fon Lotus, à gauche, pardon. Donc alors, un nouveau perso pour Choubo, puisque Choubo est un joueur de Dazzy qui est à Ryu, qui est à Rennes. Voilà, une cause. Alors la vie va penser, pour tes attentes pour jouer à Belle, là, je sais pas, il est assez agressif, c'est un coup assez agressif. Voilà, déjà, il a commencé à prendre une belle avance à la ligne. En relief, il s'est parti à la ligne. Choc, exécuté par la ligne. Choc, avec la ligne. Voilà, la robe, dans la garde. La roulée force foncée, un petit tech grand droit, un shot avec une tira. C'est bien facile à faire le mot de la. Oh, tu vas chercher carrément, il s'est enlevé cette espace. Je pense qu'il va faire quelque chose. Va-t-il revenir dans l'arbre? Ah, il a l'avantage à la barre d'énergie en plus, là, ça paraît compliqué. On va voir comment il va s'approcher sa torse. Il change un peu de sujet, il continue à agresser, mais un peu plus loin. Oh là là, tout de suite, il s'est failli par ce moment. On va choper, tranquillement. Qui rétablit la justice de ce monde finalement, puisque Choubo sort définitivement du tournoi. Voilà, Choubo sort du tournoi. Tiens, je vais te mettre le coup. Ah, il y a un truc. Tu récupères les gagnants. On va mettre du coup un peu de flore. Ça, c'est des parents. C'est quoi une gauche? T'as déjà gagné, t'as le truc. Voilà, elle est bien. C'est quoi, c'est l'équipe? Non, mais je vais remonter le prochain, je vais le faire.
Voilà, c'est un. Alors, tu te joues immédiatement, reprends ta grille, et tu vas aller chercher Getshiro. Getshiro. Ah, ça devient du lourd là, faut te voir contre Getshiro là. Ah, il a entendu son nom, il a l'oreille fine. Ouais. Ouais, oui. On arnaque pas un Getshiro. Du coup, bah, c'est quoi Getshiro va enfin gagner un tournoi? Est-ce que Getshiro va gagner un tournoi? Eh oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, Genshiro fait beaucoup de bonnes perfs. Il fait toujours dans le top 3, top 4, très bonnes perfs. Mais la malédiction, la maladie, la peur de gagner, appelez ça comme vous voulez, il ne gagne pas. Donc c'est dommage, mais pourtant, ce game mérite complètement une victoire. Alors là, vu comment ça drop le côté de Poplar, je pense que pour Genshiro, ça ne va pas. Est-ce que Vincent a un avis là-dessus? Est-ce que Vincent a un avis? Gagne ici la game. On fait tellement bas. Ouais, il est pas à jour. Ah, coucou, voilà. Ouais, il est ton boss, Vega. C'est le 5-5 a priori. C'est les boutons ou ça joue là? Ça choque les boutons. Ça choque les boutons. C'est ça, c'est intéressant. Du coup, on peut voir ce que ça donne, sachant qu'on a le droit à une grille. On peut prendre un petit peu de temps, mais quand même, quelque très bonne chose. Un game. Genshiro. Ça me suit ce pseudo sans déconner. Alors, Genshiro a une clique à la manette. Et oui, manette iPad. Et par l'hypermute, le petit pied, le petit doigt, après son explication, ça lui permet de mieux rentrer les combos au 1020 de game. Alors bon, bah, oh là, ça enlève la grippe. Déjà, ça parle mal. Là, ça, je sens un profond respect entre ces deux joueurs. C'est bon, je peux enlever ma grippe. Je peux. C'est le plus utile de tout panel. C'est ça, voilà. Alors maintenant, il a le setup enlevage de grippe. Vous savez que le masque, c'est plus en ex, on l'enlève. Ouais, je ne savais pas. Alors, a priori, il faut voir qu'on peut enlever en ex. Ouais, enlever le masque, non, il est dommage que pas. Mais je crois que tu. Ah oui, mais genre, t'en as plus de vital. Zéro vital. Tu t'en as plus de vital. Tu gères ton masque et là, tu mets. Effectivement, on peut faire le flambier en faisant le masque en ex. Allez, c'est parti. Bon Lotus contre le Genshiro. Vega Game, ouais, Genshiro, tu vois très bien son pseudo. Allez, d'habitude. C'est bon, Fuxi, elle est bonne garde. Ça se tricote la moustache, enfin la barbe là. Allez, ça prend tout avec l'agression. Voilà, dès que tu mets des petites calottes, voilà, il va tellement agresser pour aller. Je pense que c'est le cas. Il y a où les coulisses? Allez, crosse à l'égard, pas de setup. Oh là 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 là. Oh là là, la petite et le vache, t'as tué. Genshiro là, il a le stream, il veut gagner devant le monde. Ah là là, il est en position à presque une barre avec Gen, ça peut faire mal. Ah voilà, merci pour le demi, voilà, c'est bien. Reste en bas, et voilà, cross-up encore. Ah, ça ne fait rien de plus, ça n'est pas la fille là. Et voilà, le bloc, l'inverse de Redstone. On meurt, oh là là, le stop. C'est le pivot. Et voilà, mais quelle violence! Quel Shiro! Alors, nous noterons la superbe note du triple A. Le triple A. Voilà. Le triple A. Que triple A. On est en France, pourtant oui, nous avons notre triple A. Triple B, ouais. Triple B. Je sens que c'est pour ma gueule, là. Je sens que c'est pour ma gueule. Alors, il y en a encore le A. Dis-en. Alors, dis-en contre Wiesman. Alors, on est reparti. Ils ont. Ah, c'est un. Attends, c'est Wiesman que tu joues. Y'a vous? Non, c'est toi. Tu peux appeler Wiesman contre moi? Johan! Tu joues contre Ido. Ok.
Alors, donc là on a Isno contre Midman. Alors là, ça va donner 10 contre 7. Je suis complètement curieux pour ce match. Alors, je sais pas comment ça se passe, mon 7 a l'avantage contre tout le monde, on le sait, mais bon, ça donne quoi ce nom, notre petit. Bah, les 6-4 pour. Evan Sub dirait 6-4 pour 7. Je suis pas hyper d'accord avec ça, mais on verra bien. Tu comprends qui, Evan? En train de choquer son bouton. J'ai gagné. Et puis je vais mesurer un set dégueulasse. Ouais, je sais pas, t'as dû passer en Midman qui a comptabilisé sa première victoire au Final Fantasy la semaine dernière d'ailleurs. Ouais, tant mieux. Oui, peut-être que mon premier match c'est possible, ouais, c'est ça. Ouais. Ça donne pas. Ça commence, les gars? Ils ont fait le joueur de droite avec la chemise noire. Ça on avait un nombre de pertes. Ok, on est bon. Tortue Ninja? Ouais, les Tortue Ninja. Moi, je vous en peut. Ah non, je joue mon prochain ticket après. Je suis contre le mec qui va le faire chez moi. A priori. Ah oui, ça joue non, direct. Allez, me fait direct. Et la shop speed, ça fait tellement mal. Allez, la TP pour esquiver. Et ça se la pète sur scène, elle est petite fissée. Ouais, double sub-lock, là, des flots. Allez, c'est parti. Elle va se réveiller, là. On a un autre jeu, allez, on va se coucher par le. Voilà, la crise, c'est elle. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je suis parce que tu ne chauffes pas dessus, monsieur. Je vois le coup qui arrive devant au dernier moment, c'est grave, trop dans tout Ex, forcément. Et encore le coup de canon, ça doit être plus haut. Oh, pas de côte. Et non, pas de côte. Il a essayé, mais il en a pas mis. Et oui, voilà. Isno impérial sur cette game. ABA, c'est moins bien que Genshiro, mais voilà. Wisman qui a pas droppé pour l'instant, mais. Voilà. Bah, à ton avis, le counter est à la retraite, c'était quoi? C'est. Alors, Doudou contre. Pour Lucas. Ok, ça marche. Bon, bah, je m'y colle. Allez, je vais tâter Zangief, ça me fait trop envie. Je vais tâter Zangief. Allez, vas-y Zangief. Revoilà. Bonjour. Alors, en quelle phase tu veux le défendre? Tu es en demi finale. Il y a une finale, ok. Il y a Os qui nous a rejoint. Alors, du coup, tout le monde va entrer en point. C'est rentré comme dans du beurre. C'est toujours comme ça d'habitude. Non, alors ouais, on a fait un FT10 il n'y a pas longtemps. On est maintenu finalement. C'était assez. Le temps de refaire pas tout ça, c'est vraiment assez. Et par contre, c'est gagné en contre 7 comme pour l'autre. Mais je dirais que c'est plus facilement pour 7 parce qu'à la moindre shop speed, après, comme il a tué une missile, il a essayé de faire cette jump. Ah ouais, complètement, moi je suis juste un fan de start-up sur cette jump, donc parce qu'il est mort. Donc après, s'il arrive à me mettre au sol, il peut enchaîner.
Le classico. On a un choix du Trado, les mecs. Ah, le Trado contre. Ah oui, Trado. Là, c'est ça, moi, mais. On est là-dessous, et du coup, il veut pas garder les bons. Il veut pas garder. Il veut pas garder ses barres. Il veut tout dépenser. Du coup, il ne fera pas de Shoryu, pas d'essai, quoi. Tu vois, il met des guides. Comme ça empêche l'avancée, quoi. Il y a rien. Ah putain, lui il punit tout ce qui se passe aussi. En revanche, le manguette, on va tenter de la ligne à la ligne. Ah, puis voilà, tu sais, du coup, c'est. Oh là là, ça rate rien. Hein. Alors, ma mère, comme il disait, pourrait bien. Elle a l'air d'être. Voilà, le punish. Ah, il reste qu'une seule pièce, donc il y aura encore un repêche. Il y a un repêche. J'organise un petit du repêchage pour que vous soyez bien. Bah, peut-être. C'est une repêche parce qu'on a un repère. On peut peut-être jouer. Non, c'est Moïse Man. Alors, est-ce qu'ils sont un peu en peur Alors, est-ce que t'as l'impression Ouais, carrément, ça fait plaisir de voir un autre Zangief participer au tournoi. Bon, après, c'était difficile. Et je pense qu'il faut fermer une grosse patience avec Zangief pour patienter. Et voilà, bah, il l'a fait quelques fois, mettre des bonnes extra vertes dans les coups. Et après, ça part de ça, quoi. C'est vrai, c'est dommage, par contre j'ai vu un saut hein, qui a été puni par un Shoryu medium, je pense. Genre il a pas cherché de vous, il a vu le Shoryu direct ou c'était un 7-jump raté, quoi. Ah, ça part d'autre part hein, derrière, hein, si tu rappelles. Tu mets par terre pour venir derrière. Donc là, bah, non, c'est parce que tu subis tellement de nuit, mais c'est bien, c'est de manière rigoureuse. Tu es rigoureux, donc voilà, tout ça. Si tu sautes et tu te fais gratter, tu te fais gratter, c'est pas bon. C'est des match-ups qui montent pour bah, le Ryu et Sagat avec le Zangief. Je t'y arrive pas. Salut, merci. C'est un plaisir de parler d'un Zangief. Là, je vais pas courtier le match-up. Prochaine fois, merci. Allez. Bonne soirée. Allez. Alors, le match-up pour qui je pense que c'est ici. Ouais. Après les deux ont des armes. Peut-être vu la barre de vie, mec. Tu vois, la barre de vie, ça fait récupérer les choses. Oh. C'est un peu vrai. C'est sur Yu, quand même, c'est un genre de. Ah oui, c'est un peu trop tôt. On va attaquer le trois. Par contre, il est pas cherché deuxième. Il reste deux barres et un ultra. Allez, sur nous là. Je connais pas par cœur. Là, il y a les setups, voilà. Ça, c'est par processeur, je crois.
Ouais, 3 coffres de la encore le setup. Ah non, il s'arrête. Ah oui, le setup. Il a compris où il claque tout là. Barre de super et ultra. Oh, il est bien super là. Ça se regarde. Sur source globale, excuse-moi. Ouais. Et là, ensuite, t'édites, tu cliques sur payeur 1, d'accord. Propriété. C'est en bas. C'est tout en bas là, t'as le nom du joueur. Moi, je suis en payeur 1. C'est en payeur 1. Jérôme, comment tu repasses en mode écran? Jérôme, attends, comment tu repasses en mode écran? L'écran du jeu? Là, c'est la cam, mon gars. Ah oui, d'accord. Le repêché, tu commences avec moi. Le repêché. On m'a tremblé de là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Allez, du Guzno. Ah, mais ça tient, la deuxième semi-finale, c'est moi contre mon frère encore. Ouais, c'est d'ailleurs en fait. Je pas être riche. Bravo, moi je suis le Guzno. Thank you.
Ah bah non, il y a 17 contre 5 à faire un verso, on va dire.
Voilà. Alors qu'on est sur un crachet sur le jeu. Allez, c'est parti. Même si c'est une
Gaëtian qui n'a jamais gagné, il a tout gagné ce soir. Merci d'avoir regardé ce stream, hein, c'est un des premiers, franchement vous avez beaucoup de sacs, mais petit à petit on essaie de monter le niveau ici. J'espère que les joueurs qui ont participé regarderont le stream pour faire plaisir. Et puis bah, pour ceux qui ont gagné, bah, allez vous la péter devant vos copains, hein, y a pas d'en courir. Donc petit rappel, nous on est l'association Jeunesse France Japon, vous connaissez tout le monde à JFJ à Nantes. Le vendredi soir, on organise les Versus Fighting Friday à 5 places du commerce à Nantes, au premier étage. Cherchez à JFJ, vous le trouverez, on est en plein centre-ville, il n'y a pas de problème. La bonne ambiance, la joie, de l'alcool et des nanas. Enfin, sans l'alcool et les nanas. Et puis voilà, dites-moi venir nous voir, ça nous fera plaisir. Sur ce, bah, bonne soirée pour moi, et puis bah, bonne fin de journée, bonne soirée pour tous les autres. Ciao!